Peut-être pas sa cause ce soir en allant en appel. Puis en... Deux hommes forts. Ah, absolument. Solides sur leurs patins. Hein? Et bon, j'allais... j'allais le dire. Ah, sans trop de dommages, ça a été pas mal plus une épreuve de force que... Attendons voir. Alors, bossé devant Mirasty. Mirasty ne semble pas vouloir y aller. Et il veut plutôt Mirasty, veut Sogdin. Ah, alors Sogdin va y aller avec Mirasty. Voilà. C'est parti. Ça, dans les circonstances, ce que Bob Desjardins disait avant le début du match... C'est sûr que c'est un match qui pourrait y avoir de nombreux rebondissements. Bon, ce sont les deux hommes forts de ces équipes-là. C'était à prévoir et ça ferait bien à quoi s'attendre. Mais Mirasty est beaucoup plus petit de taille. Mais je vais vous dire une chose, lorsqu'il dégaine, ça risque d'être ouvert. Ouais, là, on se regarde là, depuis un bon moment... Surveillez la gauche de Sogdin. Surveillez la gauche de Sogdin. Il n'en livre pas beaucoup, mais est-ce qu'elle va sortir? Je pense que... Et là, Mirasty est coupé. Mirasty a été coupé, oui. C'est très rare dans le cas de Mirasty. Oui. Et voilà. Oh, c'est coup pour coup. Quel combat! Non, mais Rusty, elle voulait absolument avoir Sogdin. Et là, quand on se repose de même, ça peut... Petite tape. Oh! Ce sont des hommes, je vous prie de me croire. Je pense que c'est la fatigue qui les a eus, hein? Et là, il serait intéressant de savoir, puisque Rusty a perdu son chandail... Alors, on va voir la décision de l'arbitre. Est-ce que c'est dans le combat où l'adversaire lui a soulevé le chandail ou bien s'il n'était pas attaché, c'est lui qui a perdu. Ça va être la décision de l'arbitre. Il pourrait y avoir un 2 minutes supplémentaires aux missions pour équipement illégal. Attendons voir la décision d'officiel. On tourne le filet. On le met en échec. Il poursuit sa course. Là, on s'y est mis à deux pour le faire tomber. Pendant ce temps-là, il y a eu une dure mise en échec devant le filet.